Nathalie Tolo. Je travaille au domaine Tolobo avec mes associés et cousins qui sont Jean-Paul et Olivier. Et nous habitons le petit village de Chorey-les-Beaunes. Création à l'époque phylloxérique, donc 1880. Cinquième génération actuellement. Ouais. Beaucoup de joie parce que on est tous passionnés. Donc ça, c'est un métier qui roule tout seul malgré toutes ces difficultés. Et la joie du partage. Enfin, moi, je ne me lasse pas de ce métier, surtout par les rencontres que j'y fais encore aujourd'hui. On voit plein de gens qui sont heureux de découvrir, venir déguster. Et moi, ça me porte, quoi. Et ça me porte dans les années, les moments difficiles comme la grêle ou des aléas climatiques. Voilà. Puis le travail en commun, ben, c'est pas facile. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous entendre, donc il faut faire des concessions, il faut essayer d'arrondir les angles pour que la machine continue d'avancer, quoi. Puis on peut s'échapper aussi. Enfin, moi, je m'échappe par, pas seulement par le vin, quoi. Je m'appassionne pour plein de la musique, pour l'art, voilà. Et j'en ai besoin. Oui, je ne rate pas quand Reynald m'a redemandé, je dis pas de problème parce que j'aime bien l'ambiance. Quoi. Les gens sont décontractés et le vin n'est pas perçu comme un sujet sérieux et ça j'aime beaucoup. Oui, il y a une ambiance très chaleureuse et très conviviale. Et parfois je vais dans des lieux très haut de gamme, les beaux hôtels, les restaurants magnifiques et créer une ambiance chaleureuse, c'est pas facile dans ces lieux-là. Et c'est pour ça que venir ici, c'est décontracté, tout le monde est heureux. Quoi. Belle soirée à tous et merci! Avec Reynald, ouais. Oh bien, la passion du vin, ça c'est. Il s'en lassera jamais et moi non plus. Et puis l'aspect familial aussi, parce que ben, papa est toujours là, ben, toi tu es là. Et je trouve que c'est solide, c'est un ciment, ça nous fortifie. Pour moi, le vin, c'est pas un produit comme un autre. C'est un produit qui a beaucoup de symbolique. Bon, il y a la symbolique religieuse, mais il y a la symbolique de la table, la provenance, le terroir, l'origine. Et c'est pour ça que ça ne sera jamais un produit banal. Quoi. Même un vin qui coûtera 2,50 €, il y aura toujours quelque chose à dire, à raconter d'où il vient, qui l'a fait. Et c'est tout un monde, tout un univers. Une récolte normalement abondante, stable. On espère pas trop de soucis dans les vignes. Après 4 années compliquées. C'est pas mal, ouais. 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 Bon. Je t'en prie.